Salut à tous, c'est Antoinix. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on continue la petite série Rennes en Ligue des Champions. Donc là c'est le match retour contre l'Atalanta Bergame. L'Atalanta Bergame et nous on est à peu près du même niveau. Toutes les deux équipes plutôt sont du même niveau. Donc si on se qualifie c'est un peu normal. Quand on a vais affronter au match aller l'Atalanta Bergame, nous avons gagné 3-1 et donc la qualification est presque assurée. Il suffit juste de se prendre, je crois, soit match nul ou pas se prendre de but. C'est juste ça. Oh, ils font chier avec leur entraînement de merde là. Allez, merci, on peut passer enfin. C'est lui qui va prendre pas mal de lumière aujourd'hui, normalement. C'est lui, c'est normal. Irrésistible, hein, sur les trois derniers matchs disputés, il a marqué 4 fois. On vous donne rendez-vous dans quelques minutes sur eSports. Salut tout le monde, c'est une belle soirée de foot hein, qui s'annonce aujourd'hui. C'est parti avec pour Rennes, Atalanta Bergame. Ciel dégagé. Un huitième de finale. Prêt, le coup d'envoi dans quelques instants. Au menu aujourd'hui, un huitième de finale retour de Champions League. L'Atalanta de Bergame contre le Stade Rennais. Ouais, les visiteurs se contenteraient volontiers d'un match nul qui leur permettrait de conserver. En jeu évident, dommage. Pour le placement, assez dommage hein, de se faire prendre comme ça, c'est stupide. Ça commence bien. Luis Muriel. Il y va tout seul, énorme occasion. Zimendi. Le ballon piqué, oui. Et le gardien qui s'est envolé pour sortir ce ballon. Non, même pas, mais bon, si tu veux. On a eu de la chance. Un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. Avec 4 buts sur les 3 derniers matchs, il semble être en pleine confiance ces derniers temps. Il avait vu venir. Ouais, mais faut mieux donner les passes là, je pense. Aguerd, Kamavinga, Mawasa, Martin Terrier, ouais, hors jeu. Mais quoi? Hors jeu indique l'arbitre. Martin, t'es pas sérieux là? Alejandro Gomez. Ouais, bien évité le tacle. Ouais, ballon, bien joué, Doux. Bien capté. Par contre, faudra peut-être qu'ils mettent les joueurs à jour. Oh oui. Allez, il peut prendre l'espace. Rafinha. Oh, attention, il met tout le monde dans le vent. Rafinha, Mbaye. Putain, Mbaye. Ça démarre bien. Qualification peut-être assurée. Je dirais qualification assurée qu'on sera pas loin. Quand on sera à la fin du match. Il profite des largesses hein, du gardien adverse. On voit surtout qu'il n'avait plus qu'à la pousser dedans. Et la marque cumulée des deux matchs qui est maintenant de 4 buts à 1. C'est reparti. Et tiens. Oh, il est en train de ridiculiser la défense. Oui, parce que cette défense, elle est beaucoup trop passive. Manque d'agressivité. Ouais, ça peut bien partir en contre. Attention. Martin. Ils ont continué à progresser. Attention. Ah, non, pas Martin. Ah, pas cadré. Fais pas caca, Martin. D'accord. Même si tu streamais avec le bouge. Le bouseux et la team Crouton en ce moment. Faut t'arriver à cadrer. Alejandro Gomez. Luis Muriel. Allez. Ah, et bien vu, mais mal dosé. Ça va aller jusqu'au gardien. Bah quoi, c'est du gagne-toi, là. Allez, l'occasion de marquer avec oh, c'est ce allez, Martin. Allez Martin, allez Martin. Sur un nouveau. Tire. Oui. C'est ce qui s'appelle aller à l'essentiel. Hein. Ouais, et puis c'est mieux que de faire 30 passes qui servent à rien, comme on le voit souvent. Allez, qualification serrée.
5-1 au total, 2-0 dans le match. C'est sûr que techniquement, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Mais bon, parfois, c'est payant de jouer comme ça. J'espère qu'il y a maintenant 5-1 sur les deux matchs. Allez, maintenant on a la qualification assurée, on va jouer tranquille. On va faire tourner Gomez. Quelques joueurs en seconde mi-temps. Malinovski. Il la joue un petit peu comme Hollande, on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Oh merde. Oh, le gardien s'est complètement raté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, c'est dangereux. Eh, hey, le gardien qui est battu. On est toujours à la qualification là. On revoit le but, effectivement. Je crois. Le ralenti est cruel pour ce joueur. C'est bien une perte de balle qui est à l'origine de ce but. Si on prend le score global, match aller, match retour, ça fait 5-2 maintenant. Ndanzi. Ouais, les René qui se régale, qui nous régale. Ah oui, La vilaine faute. Il n'y a pas de maîtrise hein, dans ce geste. Non, rouge. Ah ouais, c'est le jaune. C'est le jaune. Il va falloir faire attention à partir de maintenant. Ouais, il va falloir faire attention. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Une minute de temps additionnel. Voilà, légère avantage, 5-2. Avantage quand même à la pause, avec ce score de 2-1 à la mi-temps. On va juste faire quelques changements. Oh, j'allais pas faire là, il y a les droits d'auteur. On va mettre Ounou à la place de Niang. Grenier. Par contre, ouais. Il est où celui-là d'ailleurs? Bref. Grenier à la place de Steven. Et Gélin à la place d'Adrien Truffet. Alors. Oui, j'ai fait mes trois changements directs. Allez, voilà, la suite de ce huitième de finale retour. Pierre, tout de suite. Ouais, il y a quand même une place en quart de finale à aller chercher. C'est parti. Jérémy Gélin. Clément Grenier. Eduardo Camavinga. Martin Terrier. Oh non. Oh. Le ballon qui est dommage. Sorti des limites du terrain. Ça va être un renvoi en 5-50. C'est pas ça que je voulais faire. Le but de nouveau. Je vous laisse apprécier. Faut en remarquer un autre. Comme ça c'est fait. On se lise pas le minot. On a la qualification à sourire. Et Tchitch. Alejandro Gomez. Oh, il va être dur à rattraper là, attention. Ah là, c'est pas fini encore. Non, non. Oh oui, but. Regardez cette frappe magnifique, parfaite, arrêtée, très difficile à aller chercher pour le gardien. On vient d'assister au 8ème but sur l'ensemble des deux matchs, le score total qui est de 5-3. La transversale pour renverser le jeu. Adrien Huneau, Benjamin Bourigeaud. Oh, Rafinha. Rafinha. Il va s'offrir un duel avec le gardien. Il hésite, on dirait. Benjamin Bourigeaud. Oh, le but! Oh, magnifique! Qu'est-ce qu'il est beau! Mais qu'est-ce qu'il nous a mis, Benji? Oh là là! Mamma mia! Ah, mais c'est pas possible! On revoit ce centre qui est à l'origine du but. Et cette reprise qui surprend le gardien qui s'attendait sûrement à une immense patate, et ben non, c'est un but. Le ciseau, la retourne acrobatique, appelez-la comme vous voulez, mais elle est belle! Sur le total des deux matchs, ça fait 6-3.
Allez, on va foutre un petit 4-2. Et il va profiter d'une erreur de marquage. Comme ça. Ça va être fait. Oh, que c'est bien donné ça. Ah, il aurait dû. Il n'y a pas en jeu. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Ah non, le ballon est perdu. Il sort, ce sera une touche. Est-ce ce ballon qui traîne? Allez, on défend. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Allez, il faut essayer de créer un petit peu de mouvement. On a joué, Jérémy. La volée. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. Allez, on gagne du temps, on gagne du temps. On gagne des précieuses secondes là. Duván Zapata. Lui il va aller faire le cirque Zapata. Il s'infiltre, attention. Gomez. Ah, ce ballon qui était dangereux. Nous mettre la pression, faut pas. Allez, Norene. Duván Zapata. Oh, ça peut faire but. Ah, ce n'est pas avec ce genre de tentative. Il peut espérer surprendre le gardien. Ah, ça manquait vraiment de conviction dans le dernier geste. Oh, sérieux. Comme ça, ça pouvait pas. Ah, il est passé, il file vers le but. Ah là, ça peut amener un but. Martin Terrier. Non. Bah, heureusement qu'il était là. Bien joué le gardien, il dégage. La tête est passée à côté. Clément Grenier. Eduardo Camavinga. Elle ressort. C'est dévié, ce sera une touche. Adrien Hudo. Clément Grenier. Benjamin Morigeau. Rafinha. Amari Traoré. Amari. Non, Amari. Centre. Belle prise de balle. Oh, Hudo. Adrien Hudo. Une encore. Ounou qui a vu en haut. Il a passé à Mawasa. Mawasa centre. Mawasa. Non, Camavinga. Précision sur cette frappe. Mais non, Eduardo. Là, j'ai peur que la cave ne soit pas assurée. Faut qu'on en remarque un. Doron. Et 4 minutes à jouer avant d'entrer dans le temps additionnel. La conduite de balle, impossible de lui prendre le ballon. Tire, hop là. Ah non, c'est pas bien fait ça. Allez, Adrien. 2 minutes, ce sera le temps additionnel. Allez, Adrien. Il s'échappait là. Ah là, c'est pas fini encore. Benjamin Bourou. Oui. Oh oui, elle est dedans. Oui. Là, on a la qualif assurée. Ah, c'était gentil de la part du gardien de déserter son but comme ça. Ouais, et puis ça n'a pas déconcentré le joueur au moment de conclure, heureusement d'ailleurs. Le score qui est maintenant de 4 à 2. Décidément, on a des buts aujourd'hui. Qualification du Stade Rennais en quart de finale de Ligue des Champions, mesdames et messieurs. C'est une qualification qui peut leur donner beaucoup de confiance parce qu'ils n'ont jamais tremblé. C'est donc des cheats. Et c'est un jeu. Bon, je crois que Pierre, l'homme du match, on l'a sous les yeux. Hein. C'est un bon match qui vient de livrer, cadeau. Allez, on passe les droits d'auteur. Ah là, 2-0 contre l'Inter. L'Inter gagne. Ouf. On va tourner contre deux gros. Le Real, l'Atlético de Madrid, le Real Madrid, l'Atlético. L'Inter de Milan. Naples. Oh, Liverpool, le PSG s'est fait éliminer. Liverpool. Tottenham. Et City. Ah oui, c'est pas des petites équipes là. On va se faire peut-être démonter le fion. Attention, c'est conquis.
Notre prochain Tottenham. Mais non. Bon bah, je crois qu'on va pas aller en demi. Bon bah voilà. Bon bah moi je vais vous laisser. C'était Anthony sur un super match, mesdames et messieurs, de Rennes en Ligue des Champions. Prochain rendez-vous contre Tottenham en Ligue des Champions. Allez, je vous laisse.